C'est la suite de Politiciens, votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour est consacré au Sénégal. Mes trois invités sont restés avec moi. Vous vouliez, Monsieur Fall, répondre plutôt au doyen par rapport aux différents points qu'il a énumérés. Qu'est-ce que vous voulez répondre? Je vais juste lui dire ce qu'il dit sur l'éducation est complètement faux. La première chose, et l'exemple que je vais donner, c'est que les bourses des étudiants ont été augmentées au niveau du Sénégal et au niveau de l'international. Je prends un exemple. Comment tu peux augmenter les bourses alors que tu n'as pas payé les étudiants qui sont au Sénégal? Si vous me laissez terminer, j'irai jusqu'au bout. Par exemple, moi je suis venu en France avec une bourse d'excellence. C'était pour 376 euros quand j'étais là. Lorsque le gouvernement de Macky Sall est venu, ils ont doublé cette bourse, quasiment 700 euros aujourd'hui. Et mieux encore, au niveau des grandes écoles de France, ils ont doublé le nombre d'étudiants sénégalais accueillis. Et c'est uniquement le Sénégal, partout dans le monde. Oui, mais ce qu'il faut, la question aussi, c'est est-ce qu'on peut se satisfaire aujourd'hui des conditions d'études et de vie des étudiants sénégalais? On ne peut pas. C'est ça la question fondamentale. On ne peut pas se satisfaire de ça, et c'est la raison pour laquelle on essaie de les améliorer. Mais si je vois un ancien député qui a été là, qui me reproche de dire que là où j'étais, moi, il n'y avait pas d'école, ça c'est décevant, parce que lui, il était de l'IRD. L'IRD, quelqu'un qui. Des gens qui ont passé leur temps à critiquer le gouvernement Diouf et qui continuent à critiquer, Avant ma naissance, il était là, il me parle de dinosaures. Voilà le dinosaure en question et qui ne veut jamais se remettre en cause. Et surtout, qui ne voit pas les progrès que la société doit faire. Nous disons que le PSMI, son bilan n'était pas parfait. Ah oui. Nous disons que, oui, le bilan d'Abdoulaye Wade a été mauvais. Mais nous disons aussi que Macky Sall est en train de continuer ce que le gouvernement du PS devait faire, qu'il n'a pas eu le temps de faire et que nous allons le faire. C'est la raison pour laquelle nous demandons aujourd'hui un deuxième mandat et nous irons jusqu'au bout parce qu'on a des projets, on est en train de faire, on a un bilan très positif. – Le président Macky Sall vassalise-t-il les institutions de la République, notamment la justice, comme le lui reproche l'opposition sénégalaise? Oui, en tout cas, répond Barthélémy Diaz, il est le maire de Sacré-Cœur-Mémoz de Dakar, ancien député, on l'écoute, on en parle après. D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, dans le dossier de Khalifa Sall, il n'y a pas de dossier judiciaire, il y a une cabale politique. Il ne s'agit pas de reddition de compte, il s'agit de règlement de compte. Aujourd'hui, depuis l'arrivée du président Macky Sall, je vous donne deux cas. Oui. Le cas M. Khalifa Sall. Partout où M. Khalifa Sall a attaqué l'État du Sénégal, à l'international, il a eu gain de cause. Récemment, aux Nations Unies, il a eu gain de cause. Et bien avant les Nations Unies, la Cour de justice de la CEDEAO a donné gain de cause à Khalifa Sall en déclarant que ses droits ont été violés et qui n'a pas eu à bénéficier d'un processus équitable. La justice sénégalaise aujourd'hui, malheureusement, n'est plus la référence qu'elle était. Si je prends le cas de M. Karim Wade, je ne suis pas un de ses partisans. M. Karim Wade a eu gain de cause presque une demi-dizaine de fois à l'international face à l'État du Sénégal. Alors, vous vous imaginez, aujourd'hui, l'État du Sénégal est condamné dans des juridictions africaines, sous-régionales, et l'État du Sénégal est condamné au niveau international, y compris au niveau des Nations Unies. Alors, il faut bien qu'on se pose des questions. Comment l'État du Sénégal gagne toujours au Sénégal, et à l'extérieur, l'État du Sénégal perd toujours? Malick Faye, au Sénégal, dans les communes de Sénégal, les maires disposent d'un budget dont ils se servent pour faire face aux tâches de leurs administrés, en tout cas aux besoins de leurs administrés. Khalifa Sall n'est pas le seul maire du Sénégal qui se retrouvait dans cette situation. Pourquoi spécifiquement avoir engagé une poursuite contre Khalifa Sall? Les poursuites d'abord n'ont pas été engagées uniquement à l'encontre de Khalifa Sall, comme ça se passe en France, comme ça se passe ailleurs. À partir du moment où il y a des manquements dans le fonctionnement, on demande d'abord au maire de régler la situation à l'amiable, loin des regards. Si le maire accepte de le régler parce qu'il y a défaillance, il n'y aura rien. – C'est quoi un manquement? Qu'est-ce que vous appelez manquement ?– Le manquement, ça peut être tout simplement un écart énorme dans le budget, de l'argent qui était destiné à la population et dont cette même population n'a pas vu la couleur. Ça, c'est grave. Pour un pays pauvre comme nous, au niveau du Sénégal, on doit être rigoureux dans la fonction, dans la gestion des deniers publics. Il se trouve que malheureusement, il y a des choses que le maire de Dakar avait reconnues. Il a reconnu qu'il y a eu fausse facture. À partir du moment où il y a eu fausse facture,
Voilà, naturellement, c'est la justice qui fait son travail. La justice a fait son travail. Malheureusement, il a été condamné. On ne peut pas s'en réjouir parce qu'on aurait préféré que ça se passe. Mais il est le seul maire qui était dans cette situation. Il n'a jamais été le seul maire qui a été condamné. Quel autre maire a été condamné? Dans le passé, dans le passé, dans l'histoire du Sénégal. Moi, je ne vous parle pas de passé, je vous parle de maintenant. Il y a beaucoup de maires qui ont été condamnés. Combien de maires sont condamnés pour les mêmes motifs que Khalifa Sall? En tout cas, il y en a plusieurs. Je ne peux pas vous donner un chiffre, mais il y en a plusieurs. Ils n'ont pas été condamnés tout simplement parce qu'ils ont préféré régler la chose à l'amiable. Ils ne nous ont pas nié. Il y en a plusieurs. Bien sûr. Mais c'est ça aussi l'idéal. Oui. L'idéal du pouvoir, c'est de ne pas humilier jusqu'au bout. Parce que ces maires-là qui ont payé en off, on ne les a pas humiliés. Mais si on résiste, si on a un manquement et qu'on continue à résister, qu'on continue à nier et qu'on essaie de salir tout le monde, en ce moment, la justice va sévir. C'est ça aussi la réalité. Il dit quelque chose qui est important. Extrêmement grave. Pour moi, dans son propos, il y a quelque chose de très important. Il dit la justice doit faire son travail. Et la justice sénégalaise a fait son travail. Les juges d'instance ont condamné Khalifa Sall. La condamnation a été confirmée en appel. Il attend maintenant la Cour de cassation. Mais peu importe, la Cour de cassation ne juge pas du fond de l'affaire. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile d'imaginer que dans votre pays, le Sénégal, les juges sont aux ordres du président de la République. Ils sont aux ordres. Je vous donne un exemple. Terre à terre. Lequel? La CEDEAO. L'arrêt de la CEDEAO. L'arrêt de la CEDEAO a demandé au Sénégal de libérer Khalifa et de faire une réparation. Ce même arrêt de la CEDEAO avait demandé à Yaya Djamé de quitter le pouvoir. C'est Macky Sall lui-même qui a pris en main cet arrêt pour bouter Yaya Djamé du pouvoir. Et le Sénégal a signé ce traité. Comment le Sénégal accepte de payer la rançon financière, mais ne libère pas Khalifa? C'est quelle justice on est? Alors qu'on a signé le traité, hein, on a signé ces accords. Deuxièmement, il dit que Khalifa a commis une faute. Il y a d'autres maires. Et ça, il faut qu'on note ça. Il a dit qu'il y a des maires. C'est ce qu'il a répondu. Je vais demander. Et j'ai précisé qu'ils l'ont réglé à l'amiable. Loin des regards. Non, ça, on va aller plus loin. Ça, il faut qu'on vérifie. Parce que c'est la première fois. Bon, normalement, quand on viole la loi, c'est la justice. C'est la justice. Ça, ça existe. Loin des regards. Tu nous donnes une information qui est capitale. C'est pour ça que je dis, ils t'ont envoyé au charbon. Je veux dire une chose. Khalifa Sall, il dit qu'il a fauté. On parle de fonds politiques. On parle de fonds politiques. De fonds politiques. Bon, dans aucune nomenclature budgétaire. Je suis parlementaire, je suis dans un parlementaire. Le président, j'ai des fonds politiques. Le président de l'Assemblée, j'ai aucune nomenclature où on met fonds politiques. Le dernier meeting d'investiture de l'APR a été financé par qui? Ce n'est pas par le président. Il a pris les fonds sur le fonds politique. Où il y a quatre chefs d'État étrangers qui sont déplacés. Il a pris sur les fonds politiques. Comment il va justifier qu'il a pris de l'argent de l'État pour organiser une investiture? C'est l'argent comptable qu'il va trouver. Parce que dans la nomenclature budgétaire, on va te parler de fonds de solidarité africaine, on va te parler de divers, mais on ne te parlera jamais de financement d'un parti politique. C'est quoi? Il n'existe pas de fonds politiques au Sénégal, partout. Ça n'existe pas. C'est que c'est des pratiques africaines qu'on a mises en place et, chemin faisant, la France en faisait. Avec Jospin, ils l'ont arrêté. C'est des pratiques qu'il y avait à la mairie de Dakar, qui était un support du pouvoir, qu'on avait des fonds. Le maire ne justifie pas. Il ne faut pas laisser ça échapper. Parce le maire ne justifie pas. Le maire, on lui met des fonds politiques, comme on met entre les mains de Macky Sall, de Moustapha Niass, de Tanor, et d'autres, des fonds politiques. Maintenant, la justification de ces fonds, ça, c'est l'administration financière. Le meeting de l'APR, l'investiture de l'APR, où Macky a puisé sur les fonds politiques, comment l'agent comptable du ministère des Finances va justifier ça? Il va dire que on a acheté des tissus, on a acheté des t-shirts, on a loué des cars. Donc vous faites le parallèle. Mais c'est ça la gestion des fonds politiques. Maintenant, Khalifa Sall qui est maire, Khalifa Sall ne paye pas des factures. On ne doit même pas donner. Si on met de l'argent liquide, c'est le ministre des Finances, à travers les percepteurs, qui met de l'argent liquide à la disposition du maire, d'un élu local, enfin du maire. On sait très bien qu'on ne paye pas
on ne paye pas les factures à travers de l'argent liquide. On est dans un monde organisé. C'est des virements ou des chèques bancaires. Oui, mais quand vous dites que vous avez aidé quelqu'un à se faire soigner d'un cancer au Maroc, vous pouvez quand même produire effectivement, les factures sont là. Mais comme c'est des fonds politiques, oui. Je vous donne un exemple. S'il vous plaît. Je vous donne un exemple. Le maire, chez nous, il y a la tradition. Il y a le Magal de Touba, il y a le Gamou de Tiaone. Le maire, par exemple, il va à Touba, il donne 5 millions. C'est vrai. Il donne à Tiaone 3 millions. Est-ce qu'il va dire que je donne 5 millions à Touba, 3 millions à Tiaone? C'est plutôt l'existence même de ces fonds politiques qui pose problème. Parce que c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Des étudiants de l'APR. Moi, je faisais partie des témoins déjà. Des étudiants de l'APR qui étaient avec Abdoulaye Wade, qui ont eu des problèmes ici. On a sollicité les maires de Dakar pour régler leurs problèmes ici. Mmh. Parce que c'est des étudiants qui avaient des difficultés pour renouveler le titre de séjour. Alors, très rapidement, M. Babacar voilà. La difficulté que le non-sénégalais que je suis a avec cette problématique, c'est que si la justice sénégalaise avait acquitté Khalifa Sall, vous auriez dit, ah oui, les juges sont... Heureusement qu'au Sénégal, on a eu une justice indépendante. Mais là, il est condamné, vous dites, voilà, ils sont corrompus, les juges sont corrompus, ils sont à la solde du président. Est-ce que les juges sont forcément corrompus lorsqu'ils prennent une décision qui ne nous arrange pas? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'exprimer une somme d'insultes à l'égard des magistrats sénégalais? Je ne veux pas livrer mon sentiment. Je veux être factuel. Allez-y. J'aimerais être jugé sur ce que je dis. Oui, allez-y très sur rapidement. Ces faits. Oui. C'est Macky Sall lui-même qui a fait un aveu en disant que sur des dossiers, j'ai mis le coude. C'est lui-même qui le dit. C'est lui qui oublie la séparation des pouvoirs. Un élément, le président de la République qui le dit. C'est sous Macky Sall qu'un juge, un éminent juge, a dit que je démissionne d'une justice qui a, d'une magistrature. Il démissionne du Conseil supérieur de la magistrature. Oui. Pour être candidat à la présidentielle. On ne sait pas. Moi, je suis très discipliné. Je coupe personne. On ne sait pas. Les dossiers de candidature ne sont pas encore déposés. Mais le juge, il a dit qu'il est candidat. Je suis très discipliné. S'il vous plaît. Arrêtez de vous agiter parce que ça change en rien les faits. Les faits sont là. C'est le syndicat de la magistrature lui-même qui dit que la justice est vassalisée. Pas moi. Non, pas le syndicat. C'est le syndicat de la magistrature. Il y a peut-être un syndicaliste ou un magistrat qui a pu le dire. C'est l'ensemble des syndicats. Le syndicat de la magistrature. C'est le syndicat. Télico, le juge. Dirige. Allez voir ce que je dis. Je dis, c'est des faits. Allez voir sur Internet. C'est peut-être une opinion personnelle. Non, c'est l'ordre de l'AG. C'est le président du syndicat qui le dit. Qui nous explique. Il parle au nom de ses pairs en disant qu'il y a une instrumentalisation de la justice. Il n'y a aucune espèce de résistance de la part des magistrats sénégalais. Mais parce que sous Macky Sall, on est sous dictature. J'aurais pu ajouter tout à l'heure que c'est le président de la honte. Parce que, ça nous l'a dit tout à l'heure, la justice a mal fait son travail. Sinon, la CEDEAO n'aurait pas rendu l'arrêt qu'il a rendu. C'est une honte pour nos éminents juristes. Parce qu'un clan, de juristes est... comment dirais-je encore, instrumentalisé par Macky Sall. Ce qui fait qu'à l'ONU, à la CEDEAO, mais partout en dehors du Sénégal. Patrick Diaz le dit, hein, que le Sénégal, l'État du Sénégal gagne seulement au Sénégal. C'est très important. Alors, j'aimerais allez-y très rapidement avant que Monsieur Faye, puisqu'il est, scandalisé parce que vous êtes en train de porter comme accusation à l'endroit de la justice. On lui a donné. Il est mal à l'aise. Non, mais je lui donnerai des faits pour qu'il soit encore davantage scandalisé. Parce que le président de la République, Macky Sall, il a pris tous les repris de justice. Dans son camp. Qui d'ailleurs sont en train de l'introniser parce qu'on ne sait pas à quelle intronisation d'ailleurs c'est fini. Alors nous n'allons pas revenir, monsieur Babacar, sur les questions de personnes. On n'est pas discrédité à vie parce qu'on a commis de ne pas le passer une faute. Quand un condamné épuise sa peine, il a le droit à une seconde chance dans la société. Donc on ne peut pas. Je vais être clair là-dessus. Oui, alors. Je ne veux pas rentrer dans les débats de personne. Macky Sall lui-même, quand il est venu, il a dit : je mets l'OFNAC pour les miens. Pour les miens. Pour juger les miens.
qui a-t-il jugé? Qu'est-ce qu'il a fait? Effectivement, il a jugé la personne qui était à la tête de l'OFNAC, qui a été viré manu militari. Et depuis lors, la personne qui l'a remplacé FNAC, est incapable de rendre... L'Office national de la lutte contre la corruption. On attend toujours, le bilan depuis le départ de l'ancienne présidente. C'est des éléments. Je suis quand même assez déçu à partir du moment où des citoyens vont insulter tout un système. La justice sénégalaise, des juges qui rendent justice chaque jour, qui vont prendre des gens qui ont détourné énormément d'argent, mais aussi qui vont régler des problèmes dans des couples. Non, ce n'est pas la question. La question, c'est critiquer le système. C'est ça la démocratie. Oui. On a le droit de critiquer pour avoir un système plus performant. Il a évoqué des cas de magistrats, qui ont fait l'aveu, effectivement, être sous l'influence. L'aveu n'est pas ça. Le juge Suleiman Teliko, qui dirige l'Union des magistrats du Sénégal, a dit que nous, juges, on ne peut pas nous instrumentaliser. C'est ça qu'il a dit. Il faut regarder sur Internet. Oui, mais ça parle de quelque chose. Parce que tout simplement, l'opposition était en train de dire que la justice était instrumentalisée et lui-même, il s'est dit que non, c'est faux, on n'est pas instrumentalisé. Tu peux donner un exemple? C'est lui qui l'a dit. Je te donne un exemple. Je te dis, mais laisse-moi terminer pour venir à ce que je dis. Laissez-moi terminer. Ce qui me choque, c'est que ici, lui, il était avec Macky Sall. Lui, il était avec le Parti socialiste. Non, monsieur. On disait que. On a le droit de changer. Juste pour vous montrer les faits. On disait que Karim Wade avait détourné énormément d'argent, qu'il fallait le mettre en prison. Une fois qu'on a découvert qu'il a effectivement détourné de l'argent, on l'a jugé pour qu'il restitue l'argent. Il a été condamné par la justice sénégalaise. Six ans de prison. Ils reviennent. Vraiment pour dire que non, Karim n'est pas innocent, tout simplement parce que le pouvoir en place ne fait pas exactement ce qu'ils veulent. Ça, c'est grave. Eux, ce qui leur pose problème, ce n'est plus la justice, ce n'est plus rien, c'est tout simplement le fait que Macky Sall a un bilan. Le fait que Macky Sall a coupé l'argent sale qui circulait et qui nourrissait la plupart des gens que vous voyez ici. C'est ça qui t'a bien On marque une courte pause, on revient tout à l'heure.